Aujourd'hui dans ce live, on va tester le site Akinator.com parce qu'apparemment il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent là-bas. Et si tu ne connais pas Akinator, c'est tout simplement un génie qui va deviner tout ce à quoi tu penses. Tu penses à ta mère ? Et voilà qu'il te dit que tu penses à ta mère, comme par hasard. Coïncidence ? Je ne crois pas. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, en live, on va tester ce site. Alors n'oublie pas de mettre un maximum de pouces bleus, t'abonner à la chaîne et faire en sorte que ce live soit grandiose. Alors c'est parti pour un nouveau live. Hey, what's up? Comment est-ce que vous allez dans le chat? What's up? C'est Alain Rigolo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme... Non, pour un nouveau live. Là, tu vois? C'est l'habitude. Ouais. Bref, les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Ça commence très bien. Il y a déjà un membre. Bienvenue. I be tryna call. That's a rumor for long enough. You can maybe show me how to love. Maybe. Oh là là, je kiffe cette musique. Je kiffe cette musique de ouf. On va arrêter la musique 2 secondes. Merci à Angélique 660 pour son membre. Et merci au deuxième membre qui vient d'arriver tout de suite là maintenant, qui s'appelle Denis Brando, qui est devenu démon. Oh là là, hé. Le live il commence de manière explosive là. Alors attendez 2 secondes, je vais juste faire un truc vite fait. Je vais me mettre comme ça, voilà, comme ça c'est magnifique, comme ça on voit le chat en même temps. Les gens, il y a eu un nouveau démon, vous savez ce qu'il faut faire. Quand il y a un nouveau démon, il faut l'accueillir comme il se doit. Et il faut l'accueillir comme il se doit, parce que c'est un nouveau membre. Alors, je vous propose tous ensemble qu'on l'accueille comme on sait accueillir des démons. Et tout simplement, on va faire la chanson. Alors c'est parti. Mes frères, lance-toi la musique là quand t'as putain. Wesh, la musique elle fait quoi là? Lance-toi s'il te plaît, wesh. Oh là, tu vois, mes lives c'est un truc de fou. Donc merci à toi qui est devenu un ange maintenant. Non, un démon, qu'est-ce que je raconte? C'est un démon frère, je suis un ouf moi. Putain mais attends, c'est moi où il y a beaucoup de membres là? Attends, il se passe quoi là? Non mais il se passe quoi là? Betty qui est devenu bébé démon, bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir et merci d'avoir rejoint les membres. Laurent Gillet qui est membre aussi et qui est un ange. Alex Fortin qui est un ange lui aussi. Bon, hé, là les anges ils vont se faire éclater par les démons, qu'on se mette d'accord là. The Dog qui est devenu un démon. Donc bienvenue à toi, je viens de faire la musique, on va dire que c'est pour toi aussi. Et Lina Gacha qui est devenue un ange, bienvenue à toi. Les gens, comme vous l'avez vu dans le titre, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va aller sur le site Akinator en live et qu'on va tester tout ça. Je regarde juste un truc, c'est bon, c'est nickel. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on aille sur le site et qu'on teste tout ça en live? Vous avez vu, je vous ai écouté hein, je vous ai écouté maintenant le son dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonne ou quoi. Ça le fait doucement, ça fait... Tu vois, là, j'écoute, on écoute la communauté, tu vois. Et ouais, frère, c'est ça en fait. Attends, par contre, je vais mettre la musique parce que je la kiffe de ouf. Hop, voilà. Là, normalement, c'est pas trop fort, c'est pas trop bas. Donc, c'est nickel en fait. Oui. Ok, vous êtes chaud à la mort. Vous êtes chaud à la muerte, comme on dit. Lexi, bienvenue à toi chez les anges. Bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir. T'es maintenant un ange, alors bienvenue à toi. Et grosse dédicace à toi. Et grosse dédicace à tous les membres aussi qui rejoignent pendant les lives. Parce que pendant les lives, quand vous rejoignez, je fais des dédicaces en direct. Et ça, c'est génial. C'est génial. Waouh. Et comme je l'ai mis dans le titre, si on arrive à l'objectif de 250 membres, on part pour des cadeaux. Des cadeaux, tirage au sort. C'est moi qui régale. Je fais ma tournée en fait. Bref. Vous êtes chaud pour qu'on aille sur le site Akinator. On va y aller tout de suite. Ne vous inquiétez pas, il y a des nouveaux membres, donc on va les accueillir comme il se doit. Sindel Miramon qui est devenu bébé démon, bienvenue à toi, je te berce comme ça. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Alison Leclerc qui est devenu bébé démon, bienvenue à toi aussi. Tu es maintenant un bébé démon, donc grosse dédicace à toi. Et Yomeko Studio qui est devenu un ange, grosse dédicace à toi aussi. T'as pas encore les ailes qui ont bien poussé, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas très important. 10 euros dedans, merci beaucoup à toi Wendy M.
Là pour l'instant c'est le don le plus haut du live pour l'instant, tu vois. Donc merci à toi, tu viens de me payer 2 grecs, voilà, 2 grecs. Attendez, non ok j'ai la voix normale, j'ai eu peur putain. Ok. Donc les gens, vous m'avez l'air chaud. Vous m'avez l'air extrêmement chaud pour qu'on aille sur le site Akinator. Alors je vais faire quelque chose tout de suite maintenant, c'est que on va y aller tout de suite. Maintenant, on va pas parler, on va pas plus blablater. Ah merde. I'm blinded by the light. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Hey, hey, hey. Bref, on va arrêter les conneries. C'est la musique, tu fermes ta gueule. Voilà, tu fermes ta gueule, la musique. On est parti. On va maintenant... Enfin, on est sur le site Akinator. On est... Autre chose que j'ai oublié de préciser au début du live, les gars. On va voir... un truc qui est en lien avec Momo. J'ai trouvé un truc sur internet, vous verrez. Bref, on verra par la suite du live et il faut rester sur le live pour le voir. Mais c'est une vidéo. C'est une vidéo film. Ah, j'en ai trop dit. Bref, on est parti. On est sur le site Akinator. Vous m'avez l'air chaud. Extrêmement chaud. Alors on est parti, on est sur Akinator. On est sur Akinator ou pas? Oui, on est sur Akinator, c'est parti, let's go. Alors, je clique sur jouer. Les gens, est-ce que vous êtes chaud? Je sais pas s'il va se passer des trucs, j'en sais clairement rien, tu vois. Mais est-ce que vous êtes chaud sur le... Bombarder de oui, parce que ça va m'énerver, je vais mettre une patate. Je vais faire ça, tu vois. Attends, merde, j'ai... Waouh, j'ai baissé la cam. Attends, pourquoi il y a de la lumière là? Ah non, c'est bon. On va pas commencer à casser le matériel en live, là. Vous êtes chaud? Oui, 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 oui. Adam, tu es un génie. Pff. Arrête tes conneries un peu, là. Je sais que, mais... Ah arrête tes conneries un petit peu, là. Arrête. Tu vas me faire rougir. Regarde, je suis déjà rouge, là. Je sais pas pourquoi. Tu vois, normalement, je suis censé être noir, en fonction de mes origines. Enfin, noir foncé. Je suis rouge. Déjà, il y a un problème quelque part, tu vois. Mais bref, il y a des nouveaux membres qui viennent de ce sub. Donc, merci à toi, MS... K, Fly, le vrai. Alors, il y a ton truc qui s'est pas encore affiché, mais je l'ai vu, t'inquiète pas. Donc, quand ça va monter, on verra bien le niveau que tu as choisi. Oui, à 100%. Vous êtes chaud à 100%. 100% carrément. Waouh, c'est un pourcentage de malade. Bref, on est parti. Alors, je vais aller dans personnage. Pour commencer, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si le site fonctionne de manière normale. Et on va faire deviner des trucs à Akinator d'abord, tu vois. Alors, à qui je pourrais penser. Vas-y, vas-y, c'est parti, let's go. De sexe féminin, c'est parti. Est-ce qu'elle te connaît personnellement? Je ne sais pas. Ah, ok, il y a eu un nouveau membre. Voilà, ça vient de s'afficher, je crois. Ah non, c'est un autre. Ok. du coup, What's Matt, bienvenue à toi chez les jeunes démons. Ça fait extrêmement plaisir. Gros bisous à toi, ça fait extrêmement plaisir. Et grosse dédicace à toi surtout. On est parti, comme je vous l'ai dit. Ton personnage vit-il dans la même maison que toi? Non, pas que je sache en tout cas, tu vois. Ton personnage a-t-il vu ton visage? Oui. Si ton personnage le souhaitait, accepterais-tu une relation amoureuse? Non, non, non. Non, c'est pas le genre de personnage avec qui il faut imaginer des trucs. Non, non. ton personnage a-t-il plus de 18 ans? Je ne sais pas. Alors, attendez. Il y a un nouveau membre qui s'appelle Gacha Alpha. Bienvenue à toi chez les anges. Ça fait extrêmement plaisir. Attends, c'est toi qui as fait un don, non? Ah non, c'est pas toi. Mais bref. Je pense à qui? Exactement, il y a des gens qui ont trouvé dans le chat. Vous pensez avoir trouvé dans le chat ou pas, les gens? Il y en a qui ont trouvé. Il y en a qui ont trouvé dans le chat, il y en a qui ont trouvé. Ton personnage est-il connu? Ah oui, il est connu de ouf. Ton personnage est-il réel? Je ne sais pas. Ton personnage a-t-il l'air d'une fille? Oui. Ton personnage fut-il parti d'un groupe de 6 personnes? Oula! Est-ce qu'il parle de personnes qui sont derrière les comptes? Je ne sais pas. Coïncidence? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon, vous avez trouvé. Hey! Bravo à tous, vous avez trouvé, à qui je pensais. Vous avez trouvé à qui je pensais, bravo à vous, vous êtes trop fort. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Oh oui, oui, oui. Ton personnage fait-il peur aux enfants? Ouah! Attends, je crois qu'il a trouvé. Je crois qu'il a trouvé. Oui. Ton personnage est-il beau? Non. Ton personnage fait-il partie des Restos du Cœur? Hein? Je comprends pas où tu vas venir là en fait. Non. Ton personnage a-t-il 3 cornes? Non. Wow. Oh, mais, merde. Non, je voulais pas qu'on voit l'image, putain.
Non, parce que je vais avoir des... il a trouvé. Voilà, il a trouvé. Il a trouvé, wesh. Il a trouvé. Il est trop fort, ce bail. Il est trop fort, ce bail, voilà. Attends, il y a eu des nouveaux membres? Non, non, ok, j'ai rêvé. Ok, il a trouvé la personne. Ok, il a trouvé la personne. Il a trouvé la personne. Ok. Du coup, je vais faire oui. On va réessayer. On va... Enfin, je suis en train de retourner sur le site, là. Hop, voilà, je me remets comme ça. Hop là. On retente encore une fois les gens ou pas? Eh, hey, est-ce que vous voulez oui ou non qu'on retente à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait un truc bizarre sur le live? Bombardez de oui si vous voulez qu'on tente à répétition jusqu'à qu'il y ait un truc. Dites-moi dans le chat les gens. Red, tu peux voir vite fait, on a combien s'il te plaît? Hein? Ok. Oui, oui. Ok. Ah, ok. On va aller voir, on va aller voir. Jouer. Hop. On est reparti. Ton personnage, nanana, oui, allez, personnage. Où l'espace quoi? T'as gros, il y a eu un bug bizarre là par contre. Il y a eu un bug bizarre de la page, ça commence très très mal déjà, tu vois. Ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage fait-il partie du jeu du milieu vidéo? Non. Était connu en mettant des vidéos sur internet? Oui. Ton personnage a-t-il cheveux bouclés? Oui. Ton personnage est-il intéressé par les démons? Oui. Ton personnage est-il une nourriture pour démons? Une nourriture pour démons? Je sais pas. Ton personnage a-t-il perdu ses parents? Non, non, ils sont à la maison. Ah! Là, il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort, il arrive à trouver des trucs improbables. Il est fort, il est fort. On va retenter un autre encore. Non, Adblock, je m'en bats les couilles, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille! Personnage, ouais. Faire deviner personnage, c'est parti. Personnage masculin, ouais. Habite-t-il en France? Attends, est-ce qu'il habite en France? Je sais pas s'il habite en France ou pas, le mec. Attends, attends. Attends. Gros, ça m'a niqué les oreilles. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi, les gars? Juste avant, il y avait un bug chelou, mec. Mec, moi, ça me fait peur, moi. Eh, moi, ça me fait peur, moi, ces bails-là, là, moi. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on continue, les gars? Red, referme la porte derrière toi, s'il te plaît. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on continue? Je vais fermer la porte au cas où il m'arrive un truc. J'ai pas envie de mourir. Vous voulez qu'on réessaye, les gars? Bah, je sais pas, moi, les gars. Je suis pas trop... Je suis pas trop chaud, là, d'un coup, là. Ouais, je suis pas tellement chaud, là, d'un coup, là. Attends, je regarde le chat. Putain, vous êtes des bâtards. Vous voulez qu'on continue? Putain, mais vous faites chier... Vas-y, on va continuer, vas-y. Il y avait un don de 2 euros. Yo, ça dit quoi? Merci, Bobo Gang. Bah écoute, ça dit des choses. Là, je suis pas bien, là. C'est pas le moment de... Ah. Attends, on va réessayer. Je réactualise la page. Mais on est d'accord que vous avez vu la même chose que moi? C'est pas moi qui pète un plomb ou... Il y a eu ça, a fait... Mec, vas-y, on va faire deviner un objet, on va voir. Ouais, regarde ce que ça met comme question. Non, ça n'a pas rapport avec ça, arrête. Non, ça y est, c'est passé? Ouais, ça y est. On peut l'éteindre? Non. Est-ce plus grand qu'un pied? Non. Est-ce dur? Je sais pas, non, je sais pas. Cela peut-il s'acheter? Ouais, on peut l'acheter. Cela se met-il dans la bouche? Non. Cela se porte-t-il sur soi? Oui. Généralement par paire? Non. Plus souvent chez les filles? Non. Est-ce que ça fait un métal? Plutôt, je sais pas. Est-ce que c'est un bijou? Plutôt, ouais. Est-ce que ça comporte des chiffres? Je sais pas. Il y a eu un autre don de Bobo Gang. Merci beaucoup à toi pour ton don, mon tout. Oui, mec. pense. Ah là, ça fait des trucs chelous. On va essayer après. On va essayer après, mec. On va essayer. Regarde derrière toi.
Voilà, commencez pas, les gars. En plus, derrière moi, il y a le fond vert, gros. Je sais pas s'il y a des trucs qui se passent ou pas, mec. Est-ce que c'est en forme de boule? Non, non. Non, non. Généralement de couleur jaune, je ne sais pas. On peut s'en servir dans un salon. Je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne à pile ou à batterie? Non. Bijouterie, oui, on peut l'acheter en bijouterie. Ça peut se porter au panier, ouais, ça peut. Est-ce que ça a été inventé au Québec? Non. Est-ce que c'est un rapport avec l'heure? Non. Est-ce une protection? Plutôt. Est-ce un porte-bonheur? Je sais pas. Est-ce que c'est rond? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec la magie? Ah, oh, je crois qu'il a trouvé. Oui. Est-ce que ça se ferme et ça s'ouvre? Je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi c'est comme ça la forme? C'est quoi? Ah frère, j'étais en train de penser à un pentagone ou je sais pas comment ça s'appelle le truc grand gros. Il met les trucs roses, ils sont au feu ou quoi, wesh? Ah, ils sont pas au courant, YouTube, s'ils voient un truc rose, ça y est, ils suppriment les chaînes. Les gars, je vais me faire supprimer ma chaîne, voilà. On revient sur le truc. C'est parti. Animaux. Alors, attends, je regarde le chat. Il y a un don, je crois. Ouais, il y a un don de 1 € de Abdel. Non, Abeb. 76, merci beaucoup à toi, frérot, ça fait extrêmement plaisir. Trouve-t-on ton animal dans des maisons? Mec, c'est quoi ce délire là? Mec, c'est quoi ce délire, gros? Attendez, les gars, 2 secondes, il y a eu des dons. Merci à Najoutou42 pour les 99 centimes. Et merci à Unicorn Arbos pour les 2 euros, mec, ça fait plaisir, merci beaucoup. Il y a eu un nouveau membre, Ron Ron le con. Merci, ça fait plaisir. Non, par contre, les gars, ça pète les oreilles ce truc. Ça fait des. Ouais, ça fait des bruits chelous, genre, ça fait. Vous savez à quoi ça me fait penser? Le truc de Slenderman. Ça me fait penser au truc de Slenderman, les gars. Je sais pas vous, mais ça me fait penser à Slenderman, les gars. C'est flippant de ouf. Il y a eu un nouveau membre, les gars. Romain Warrior, bienvenue à toi chez les anges. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ton membre. Et gros bisous à toi, tout ce qui suit. Et bien sûr, grosse dédicace à toi, ça fait extrêmement plaisir. J'ai mis mes écouteurs. Ça... Ouais, mais avec les écouteurs, ça éclate. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mec. Pourtant, il n'y a pas de. Genre, le site, il est normal, tu vois. Genre, j'actualise. Tu vois? Y a rien de bizarre, tu vois. C'est le site akinator.com/game. C'est ça, gros. C'est flippant, mec, hein. Les gens, je vous propose un truc. On va attendre quelques minutes que genre ça passe. Et comment ça s'appelle? Je vous propose d'aller voir ce que je vous ai dit au début du live là. L'espèce de live vidéo, mon truc bizarre. Vous voulez ou pas, les gars, dans le chat? Dites-moi dans le chat, les gars. Bon, partez de oui si vous voulez qu'on aille voir ça vite fait le temps. Parce qu'en gros, ça m'a éclaté les oreilles ce truc. C'était écrit 666, il y avait écrit 666. Fais gaffe, mec. Les gars, je vous jure que les trucs comme ça, je comprends pas, mec. Hein? Pense à un pigeon. Ah. Ok. Il y a un nouveau membre, Julie Malfoy. Bienvenue à toi, Julie Malfoy. Alors, Potter, hein, le célèbre Harry. On va se calmer. Merci à toi pour ton membre, ça fait extrêmement plaisir, t'es maintenant un ange. Et merci à Bobo Gang pour ses 10 euros. Pense à un pigeon. Ah, pour le truc d'animaux, là. On l'essaiera après, du coup, vu qu'on va réessayer sur le site. Oui. Vous voulez qu'on regarde le truc là que je vous ai dit, espèce de film vidéo moment là? C'est quoi une interférence? Vas-y, les gars. Alors, attendez, je vais juste me mettre comme ça le temps. Juste pour pas avoir de soucis ou quoi que ce soit. Attends, si je fais ça. Ok, c'est nickel, ok. Vous voulez qu'on le lance, les gars, ou pas? Bombardez de oui dans le chat si vous êtes chaud qu'on lance ce truc. Moi, en tout cas, je vous dis. C'est ouf. C'est ouf. Si c'est le projet. Ou si c'est un truc qui a un lien avec le film Momo, tu vois. C'est un truc de taré, les gens. Et je voulais absolument vous le montrer en live, les gars. T'as pris 1 heure. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça, les gens? Oui. Ouais. Ok, les gars. On va aller voir ça. Au passage, merci à Monsieur MRJ34LOL pour qui est devenu un membre. Donc, merci beaucoup à toi. Ça fait extrêmement plaisir. Grosse dédicace à toi. Ok, on est parti, les gens. On est parti. Je ne parle plus. Je laisse la vidéo. Péter la barre des likes. Depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas demandé. Exploser la barre des likes. Même pour ceux qui regardent la rediffusion. Coucou YouTube. Exploser la barre des likes, les gars. Je compte sur vous. C'est parti. On va regarder le truc. C'est parti. Vous allez voir que c'est flippant de ouf, hein. Je suis tombé dessus juste tout à l'heure. Merci pour le don, Abeb78.
76. T'sais, apparemment, c'est le film Momo. Apparemment, tu vois, c'est le film Momo. On va voir ça. C'est le film Momo, les gars. Et juste après, les gars, on va continuer avec... comment ça s'appelle déjà ? On va continuer avec Akinator. Et on va poser d'autres questions. Enfin, d'autres questions, je suis con. On va essayer de trouver d'autres trucs sur le site. Babe, what time do you want it? Je crois que c'est là que ça commence à devenir intéressant, les gars. Regardez. Regardez bien, les gars, s'il vous plaît. Oh là là là. Mec. Mec. Ah par contre faut mettre un pantalon madame. C'est le ramadan là. Il y en a qui l'ont vu dans le chat. Dites-moi dans le chat si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, commentez oui dans le chat. Et si vous l'avez pas vu, mettez un non. Que je sache, genre. Parce que moi, je viens juste de tomber dessus tout à l'heure, les gars. Bombardez les gars dans le chat. Là, là, elle est en train de dire, genre, y'a quelqu'un chez nous là. Mec, comment c'est kiffant! Eh, par contre, c'est chaud, les gars! Ok, donc là, il regarde les caméras de surveillance, genre, elle lui dit, elle est là, y'a quelqu'un? Et le mec lui dit, mais t'es con, toi, ou quoi, y'a personne? Le truc cliché, quoi, tu vois? Oh mon dieu. Mon gars. Oh mec, j'étais pas prêt pour ça moi. Ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça gros. Ah, elle cligne des yeux. Ah. Ça m'arrive, écoute-moi bien, ça m'arrive. La tête à ma mère, je mets un chassé sur les doigts. Je mets un secou de genou sur la porte. Avec le moteur de... Avec le moteur de... Vas-y, au pire, je me... Non, mec, c'est chaud. C'est chaud. Oh.
Attends, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, mec. Ouais merde mon micro, du coup je vous disais, vous avez trouvé ça comment les gars? Bon bah dans le chat si vous avez kiffé. Ah j'ai pas entendu mais c'est pas grave. Dites-moi dans le chat les gars si vous avez kiffé ou non les gars. Bombardez de oui ou de non dans le chat les gens. Franchement, eh c'est des bâtards parce que gros, moi tout ce qui est film d'horreur genre ou film en général, quand je suis dans le film frère, je suis à fond dans le film. Genre je suis dans l'univers du film, je me prends pour un mec qui est dans le film tu vois. Et je kiffe parce que du coup, je kiffe encore plus le film tu vois. Là mec, gros, elle a fermé la porte au calme. Attends, attends, non, je vais vous limiter parce que c'est un truc qu'il faut, il faut limiter, tu vois. Elle était là tranquille, tu vois. Elle a fermé la porte, genre. Mec, mec, fais pas ça avec moi parce que ça va partir en octogone, hexagone. Ça va très mal partir. Oui, 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 ouais, j'ai flippé, ouais, ouais. Franchement, c'était flippant. Ouais, non mais les gars. Franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé, ouais. C'était kiffant, franchement, c'était kiffant de ouf. Et ouais, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on reparte sur Akinator, les gens? Vous êtes chaud pour qu'on reparte sur Akinator, les gens, là? Qu'on voit s'il se passe d'autres trucs un petit peu awkward, un petit peu bizarre. Au passage, je vais aller sur le live directement, enfin sur le dashboard pour voir s'il n'y a pas eu des membres ou des trucs comme ça parce que je crois que sur le OBS ça me le met pas directement. Donc bombardez de oui dans le chat les gars si vous voulez qu'on reparte sur du Akinator ou pas. Dites-moi dans le chat les gens, je compte sur vous. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. Bong, non, Bobo Gang. Bong, Bobo Gang, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Tu te chies dessus? Non, c'est pas que je me chie dessus, c'est que genre comme moi je suis un mec qui est vachement à fond dans le film ou dans le truc, tu vois. Ça me prend, tu vois, ça prend mon âme, ça me... C'est comme un détraqueur, tu vois, c'est... Tu vois, tu connais le détraqueur d'Harry Potter, le noir là, qui est sapé avec une cape, tout ça. Et bien c'est comme ça moi, je suis à fond dans le film, mec. Bref, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on reparte tout de suite maintenant sur Akinator.com? Oui, oui, ok, vous êtes chaud. Merci à Roman Banis qui est devenu membre. Non, Babine, excuse-moi, Babine. Bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir. Tu es maintenant un membre, donc bienvenue à toi. Ça va s'afficher, voilà, donc tout de suite, tu peux pas savoir tes membres quoi. Ah, ça s'est affiché, c'est bon, tiens, c'est plutôt rapide. T'es un ange, donc bienvenue à toi chez les anges. T'es gentil, t'es charge comme une image. Bref, on va arrêter de faire des trucs comme ça parce que... Mettez des likes s'il vous plaît, je crois que c'est la like qui me... Ouais, ouais, mettez des pouces bleus les gens. On repart sur Akinator, c'est parti, let's go, alors attendez. Je vais juste, hop. C'est quel... Hop, voilà les gens. Je vais vérifier quelque chose avant, les gens. Je vais voir, on est à combien de membres. Et si on est à 250 membres, il y aura des cadeaux à gagner sur ce live, les gens. Comme je l'ai dit dans le titre, objectif, 250 membres. Et il y a des cadeaux à gagner. Mais quand je te dis cadeau, c'est pas... ouais. Alors, je vais vous offrir un livre qui est sorti hier. Non, c'est des cadeaux, mon pote, c'est des bons cadeaux, tu vois. Genre, Switch... Hein? Quoi? On est 200 membres. On est 200 membres, les gens. On est 200 membres. À 250 membres sur le live, les gens. On est parti pour offrir des cadeaux en live. On repart sur Akinator. Hop là. Alors, attends, hop. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique, là? On se mettrait pas une petite musique? Alors, attendez, je vais chercher une petite musique, là, parce que je t'avoue que l'ambiance, elle est un petit peu tendue. Donc, on va mettre une petite musique. Une petite musica, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est déjà? Si je me souviens bien, c'est ça. Alors, deux secondes. Je crois que c'est ça. Bonjour à tous, ici le Lama Fâché. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des monstres les plus méchants au monde. Le bruit, la bruit. Numéro 1. Ouais, avec le Lama, là. Ting. Le Lama qui fait un Glendale. Bref, il y a eu des nouveaux membres. Avant de continuer, merci à Megan Romalière, qui est devenue un ange. Bienvenue à toi. Grosse dédicace à toi, merci à Ja.
Non, à Najatou, 42, qui est devenu un ange aussi, bienvenue à toi chez les anges. Et merci à Kate, K-Y-S, qui est elle aussi devenue un ange. Est-ce que c'est toi le lama fâché? On va mettre un truc au clair avant de commencer, Akinator. D'après vous, est-ce que vous pensez que je suis le lama fâché? Bonjour à tous, ici c'est le lama fâché et aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 monstres les plus méchants au monde. Numéro 1, le monstre. Le monstre est un monstre qui est vraiment très méchant. Numéro 2, le deuxième monstre. Est-ce que vous pensez que c'est moi le lama fâché? C'est vrai que j'ai une tête de lama. On repasse sur Akinator, on arrête les conneries. On est parti. Ton animal a-t-il des poils? Oui. Alors, je vais vous le dire à vous, parce que je pense pas qu'on peut m'entendre sur le site Akinator. Je vais penser... Pourquoi ça bug? Le site Akinator, il est en train de bugger, mec. Il est toujours en train de bugger, le site, hein? Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper bizarre, par contre. Il tourne encore, le truc! Il tourne encore, wesh! C'est quoi ce délire, mec? Il y a eu des nouveaux membres. Bienvenue à Laurine Careta, qui est devenue un ange, donc bienvenue à toi chez les anges. Et Nana Quata, qui est devenue un ange, donc bienvenue à toi aussi. Des grosses dédicaces à vous deux, les filles. Les gars, ça bug encore! Ça tourne encore! Ça bug encore, wesh! Parce que c'est des filles, t'es con! Je vais pas dire les animaux alors que c'est pas des animaux, c'est bizarre! Eh ben, c'est une fille! Sur internet, c'est une fille! Voilà. T'as quoi à dire à ça? Maintenant, t'arrêtes! Yeah. On arrête les conneries. C'est ma troisième personnalité qui a pris le dessus, désolé. Mais bienvenue à vous et merci d'avoir rejoint les membres. Les gars, ça continue, hein? Ça continue de bugger, les gars! Je vais actualiser la page pour voir. Mec, c'est bizarre. Ton animal, le trouve-t-on dans une maison? Alors, les gars, je vais penser à un sanglier, ok? Je pense à un sanglier. Voilà, c'est. Attends. Parce que. Ils vont arriver, ces gens-là, qui vont me dire. Oui, mais Adam, le sanglier, c'est pas halal, et c'est comme si tu avais mangé le sanglier, si tu écris le sanglier sur internet. Alors, pourquoi tu écris ça? C'est pas halal, alors arrête tes bêtises tout de suite, tu vas aller en enfer, tu vas aller JNM. Les gars, comment vous dire ça? Arrêtez de me faire chier, s'il vous plaît. Allez, on repart sur Akinator. Du coup, ouais, je vais penser à un sanglier, et on va voir ce que Akinator trouve à la fin. Et s'il se passe encore une fois le bug bizarre? Mais c'est hyper flippant! J'ai trouvé, c'est le bruit de quoi? Quand ça fait... C'est le bruit de Slenderman, les gars! Attends, c'est ça ou pas? Les gars, est-ce que c'est ça ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Je crois que c'est le bruit de Slenderman, les gars. Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Est-ce que c'est Slenderman qui fait ce bruit ou pas? Parce que ça me dit quelque chose, ce bruit. C'est le... Je regarde vos réponses dans le chat, les gars. Oui. Ouais. Oui. Ouais. SCP. En vrai, SCP, je crois que c'est un Slenderman. Je pense que c'est un délire d'SCP, mais... Oui. C'est le bruit de Slenderman, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est le bruit de Slenderman, mec. Et pourquoi il y a un bruit de Slenderman sur le site Akinator? Ça que je comprends pas, en fait, putain. Tu vois, aucune égalité, aucune adéquation. Putain de merde. Je me crache dessus. C'est le bruit de Slenderman, on est bien d'accord. On est bien d'accord, les gars. Au passage, j'ai eu de nouveaux membres, donc bienvenue à toi, Jordi Delattre. Tu es maintenant un ange, donc bienvenue à toi. Et bienvenue à Ryan Labar. Toi aussi, tu es un ange, donc bienvenue à toi. Et grosse dédicace à vous deux. Pour devenir membre, c'est hyper simple. Vous cliquez sur soit devenir membre, soit vous cliquez sur l'espèce de petit dollar pour faire des dons, tu vois. Et il y aura écrit devenir membre ou rejoindre ou un truc comme ça pour ceux qui demandent depuis tout à l'heure. Donc voilà. C'est le bruit de Slenderman. On est bien d'accord, les gars. On est bien d'accord. Je vais juste faire hop et remettre. La musique du lama fâché. C'est parti, let's go. Est-ce que ton animal... Non, trouve-t-on ton animal dans les maisons? Non. Ton animal a-t-il des poils? Oui. Ton animal est-il dangereux?
probablement si tu le fais chier, il te charge le truc. Je peux te dire qu'un sanglier, c'est pas, ça pèse pas 2 kilos. Ah mais Adam, si tu dis ça, ça veut dire que t'as déjà mangé du cochon. On continue. Ton animal est-il un félin? Non. Ton animal est-il plus grand qu'un homme? Non. Ton animal court-il vite? Je peux te dire qu'un sanglier, quand ça court vite. Ton animal est-il orange? Non, j'en connais pas beaucoup des animaux oranges. Ton animal a-t-il des griffes? Oui, sous ses pattes, ouais. Ton animal vit-il en meute? Je sais pas comment ça vit les facochères, je suis pas un facochère, frérot. Peut-on en trouver en France? Les gars, on peut trouver des facochères en France? Des sangliers. Ouais. Obélix, tout ça, oui, on peut, oui. S'agit-il d'un animal de compagnie? Non. Sauf si ta femme, c'est un sanglier, mais ouais. Ton animal est-il gris? Probablement. Ton animal est-il têtu? Attends, 2 secondes, la musique. Attends. Frère, il est en train de me parler d'un animal comme si c'était une meuf. Est-ce qu'elle est têtue? Est-ce qu'elle est grognonne? Oh, est-ce qu'elle fait la tête et boude? Frère, on parle d'un animal, là. Ça veut dire qu'il compare les animaux aux femmes. Coïncidence? Je ne crois pas. Tu sais, qu'il trouve le mal partout, tu sais. Bref, on continue. Je ne sais pas. Ton animal a-t-il des rayures sur sa queue? Je ne sais pas. Ton animal est-il féroce? Oui. Ton animal vit-il en Afrique? Pumba, c'est un facochère ou c'est un sanglier? Non, c'est un facochère. Pumba! Je suis Pumba le facochère! Oui, c'est un facochère. Donc, je ne sais pas. Ton animal est-il originaire de Thaïlande? Non. Ton animal monte-t-il aux arbres? Attends, pour ceux qui vont me demander pourquoi j'ai bugué, parce que j'ai cru qu'il avait écrit « Ton animal monte-t-il sur les arbres ?» C'est pour ça que j'ai pas compris en fait. Ouais, c'est quoi ce bail? Non, monte-t-il sur les arbres? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Il y a eu des dons, il y a eu des membres aussi, donc je vais lire quand même, je vais faire un minimum de respect pour les membres. Donc, Zli Basil, bienvenue à toi. T'as mis à jour ton membre pour devenir un bébé démon. Merci à toi. Et bienvenue du coup chez les bébés démons. Et Huskel Us, qui est devenu un démon. C'est devenu un démon. Si c'est devenu un démon, les gens, vous savez ce qu'il faut faire. Lorsqu'un démon rejoint la cause, il faut faire le chant des rituels des sages. Alhamdoulilah, il rejoint les membres. Ça fait plaisir. Du coup, on arrête les conneries, hein? On arrête les conneries tout de suite et on repart tout de suite. Pour Akinator, attendez, je vais juste remettre la musique. Alors, attendez, je vais remettre la musique de j'allais dire du facochère en colère. De la main fâchée. On est reparti, les gens. C'est parti, let's go. Ton animal a-t-il une grande huppe? Je sais pas c'est quoi une huppe, donc je veux dire, je ne sais pas. Ton animal a-t-il des moustaches? Non. Ton animal pond-il des œufs? Non. Ton animal est-il utilisé pour le combat? je sais pas. Un sanglier pour le jeu, je sais pas, frère. Ton animal vit-il en groupe? Ouais. Ton animal vit-il parfois dans une cage? Non. Ton animal? Ah mais merde, je vous ai pas mis, désolé les gars. Voilà, c'est bon. Eh, le pire live du monde, bref. Ton animal a-t-il des dents acérées? Je sais pas. Un loup? Allez hop, allez. La musique. Allez, les mecs, depuis tout à l'heure, je vais devenir un facochère. Gros, je comprends pas pourquoi ce truc il arrive tout le temps. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de moment, genre. Il arrive n'importe quand. Tiens, ça éclate les oreilles, ça fait flipper, wesh. Mais c'est bien le truc de Slenderman. Les gens, est-ce que vous voulez qu'on teste le mode enfant? Pour voir ce qui se passe, les gens. Que je l'active.
Oui ou non? Bombardez dans le chat. En attendant que vous m'écriviez tout ça dans le chat, je veux voir les membres qu'il y a eu. Donc, bienvenue à toi, Seb75 qui a mis à jour son abonnement pour venir devenir démon. Alors t'inquiète pas, je vais le faire juste après avoir vu les réponses du chat. Et merci à Nana Kotei qui a mis à jour son membre pour devenir bébé démon. Bienvenue à toi chez les bébés démons, ça fait extrêmement plaisir. Je te mets le biberon, je te mets le biberon. Putain, j'ai un problème, vraiment, je crois que j'ai un problème sérieux. Je vais voir le chat pour voir ce que vous dites, ce que vous répondez. Oui, 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 ah ouais. Je pense, vous voulez, vous voulez, vous êtes d'accord, je pense. Ouais, au passage, j'en profite pour dire que les personnes qui deviennent membres, j'ai mis des nouveaux émotes pour vous. Il y a des nouveaux emojis qu'il n'y a que les membres qui peuvent les utiliser. Et j'en ai mis des nouveaux. Donc voilà, si vous pouvez, si vous voulez vous faire remarquer dans le chat plus facilement, n'hésitez pas à mettre des émotes. Voilà, je vous trouverai plus facilement dans le chat, tout ça. Du coup, ouais, ok, vous êtes chaud. On est là, les rails. T'as vu, je trouve ça fait stylé le truc que j'ai mis là avec les réseaux sociaux, là. Juste au-dessus. Sponsor El Gato, ça fait plaisir, merci à vous. Voilà, plein de bisous à tout le monde. Du coup, on est parti pour activer le mode enfant, les gens. C'est parti, let's go. Je vais juste regarder, on est à combien de membres actuellement, Hamdouba, pour voir tout simplement, les amis, si, eh bien, nous allons offrir des cadeaux ou pas. Parce que c'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Alors, attendez, je vais juste faire une capture d'écran vite fait, les gens, parce que on est 10 000, c'est quand même exceptionnel et je vous remercie 1000 fois parce que vous êtes la meilleure des communes, les gars. Vraiment, et je vous le dis sérieusement, je vous kiffe de ouf. On va voir, on est à combien de membres? On est à 210. On est à 210 membres. On est 10 000 sur le live. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à 250 membres, les gars? Il y a un souci, là, il y a un souci. Vous voulez pas de cadeau? Vous voulez pas de cadeau? Ben d'accord, il n'y a pas de souci, vous aurez pas de cadeau. Ça vous regarde, hein. Il y a eu un don de Unicorn Hardboss qui a fait un don de 2 euros, je crois. Satan est en toi, Adam. Starfoula, nous sommes en mois de Ramadan, Satan est emprisonné et est enchaîné dans une cage avec ses compatriotes, les genoux. Donc, ne commence pas à dire des conneries, s'il te plaît. Il y a eu un nouveau membre. Non, quelqu'un qui a mis à jour son abonnement, donc c'est Zlibazil. Faut pas rigoler. Zlibazil qui a mis à jour son abonnement. Arrête de me faire rire, wesh. C'est ta tête, elle me fait rire. Tourne-toi de manière perpendiculaire. Faut pas que je mette la tête, parce que je me fous de sa gueule alors que c'est toi qui me fais rire. Qui est devenu jeune démon qui a mis à jour son membre, donc bienvenue à toi. Adam, t'es drôle, merci beaucoup à toi pour ton... Ta gueule. Tais-toi mec, arrête, voilà, il va me dire... Ouais, tu te fous de notre gueule, je sais pas quoi. Crystal de l'univers, bienvenue à toi. Non, merci à toi plutôt pour ton don de 2,79$ canadien. Adam, t'es drôle, ben merci, j'espère. Cam, la quiche qui a fait un don de 5,49€, merci beaucoup à toi. Je t'envoie des ondes positives et des ondes alpha. Alors, je vais voir, on est à combien de membres, les gens? On est à 211. Peut-être qu'à la fin du live, les gars, je pourrais vous offrir des cadeaux parce qu'on sera 250 membres, tu vois. Mais bref, on a dit qu'on allait activer le mode enfant, donc on repart tout de suite. Ici, non, je vais mettre la musique d'abord, je vais mettre la petite musique. On va changer de musique parce que c'est chiant un petit peu. C'est quoi ça? Non, c'est nul. On va voir ça, c'est quoi ça? Non, c'est nul. On va voir ça, c'est quoi ça? Non, non, on n'est pas dans Koh-Lanta. Voilà, ils m'ont mis une musique de Koh-Lanta, voilà. Ah! Mundir ne veut pas prendre. Mundir a trouvé le collet d'immunité. Mais comment va-t-il faire pour l'annoncer à ses coéquipiers? Ah! Ah! On dirait bien que Mohamed ne sait pas nager dans l'eau. Voilà, là c'est quand TF1 il bug. Voilà, quand le replay il bug, quand t'as pas payé l'abonnement. Bref, on repart du coup. Attendez, je veux juste... Tu l'as pas payé déjà. Eh ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est vrai. Bah, c'est pas de ma faute, ça arrive, écoute frérot. Ouais. Je veux juste mettre une bonne musique, les gars, pour que ça aille bien avec le truc, tu vois. Non, c'est de la merde. Voilà, celle-là, je la kiffe. Alors les gars, on est parti tout de suite pour tester le mode enfant. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Je veux voir les bains en l'air et c'est parti. Non les gens, je veux voir un maximum de cœurs sur le chat. Si vous voulez qu'on active le mode enfant et qu'on voie ce qui se passe quand on active le mode enfant. Bombardez le chat les gens, bombardez de oui et de cœurs. J'attends vos réponses dans le chat. Ouais. Ah ouais. Tu peux couper et je démarre ça. Hop.
Ah oui. Ouais. C'est gagné. On va tout de suite aller alors activer ce mode enfant pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bizarres ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui nous interpellent ou pas? Nous allons voir tout de suite cela sur le live. C'est parti, let's go. Je mets oui parce que Akinator a trouvé tout à l'heure ce que j'avais demandé. Et maintenant, on va voir ce qui se passe en activant juste ici le mode enfant. Actif. Jusqu'alors, il était inactif. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Jouer. Pour l'instant, le site a l'air identique. Je vois, attends, je vous montre bien que ça a été activé. Alors, comment je peux vous montrer ça? Merde! Attends, parce qu'il y a double capture d'écran. Hop, ouais, je peux pas en fait. Mais c'est activé. C'est activé, t'inquiète pas. Si, je peux vous montrer comme ça, voilà. Mode enfant actif. À partir de maintenant, on va voir s'il se passe des choses bizarres ou pas. S'il y a des choses étranges ou pas qui se passent. Que c'était écrit, sort d'ici là où il pose des questions. Ah, j'ai oublié de dire, mais le mec, quand vous faites des dons, ça parle, voilà. Mais t'as vu ce qui s'est écrit, sort d'ici, il pose des questions. J'ai pas compris, mais merci pour ton don de 5 euros. Ça fait extrêmement plaisir, gros bisous à toi. On est parti, faire deviner un personnage. Déjà, ça commence à bugger. De sexe féminin, on va mettre oui. On va faire au hasard. Est-ce qu'il a plus de 18 ans, on va mettre oui aussi. A-t-il des enfants, on va mettre non. Est-ce un youtubeur, on va mettre non. Habite-t-il en France, on va mettre non. Est-il un acteur, on va mettre oui. Et je pense que vous voulez où je veux en venir. Est-ce que... Si on active le mode enfant, il peut y avoir des trucs bizarres ou pas. Et là, vous voyez la question. As-tu déjà vu ton personnage nu? Probablement. Ton personnage apparaît-il dans une série Netflix? Non. A-t-il les cheveux blancs? On va mettre oui. Japonais? Non. Ton personnage force-t-il des armes? Non. Collaborer avec David Bowie? Non. A-t-il trois cornes? Non. Habite-t-il à Miami? On va mettre oui. Non. 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 Oui. Deux secondes, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour une chose. J'étais en train de lire, et d'un coup je vois X, alors que j'ai mis le mot d'enfant. Et je me suis dit, oula! Ah, il y a un problème là, il y a un sacré problème quand même. Non, juste en bas, il y a Factor. Heureusement qu'il y a Factor. C'est X Factor. C'est l'émission genre Star Academy aux États-Unis, tout. Where on my way, when I know she'll be the death to me, a little pop enough. Voilà, c'est le truc de chant. Bref, on s'en va les couilles. Du coup, on continue. C'est bon, c'est tranquille, les règles. On va mettre non. 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 Oui. Oui. Je sais à qui tu penses, mais je ne crois pas que ce soit pour les enfants. Ok, les gens. Bon. Ok, les gens. Le site, il m'a fait peur à un moment donné parce que j'ai vu, il y avait le X, il y avait Factor. Et c'était bis combat. Je crois qu'il y a eu des nouveaux membres. Alors, je vais voir ça tout de suite. Je vais reculer un petit peu. Ouais, il y a eu des nouveaux dons. Non, des nouveaux membres et des nouveaux dons aussi. Roselyne Delon, qui a mis à jour son membre, tout simplement, enfin, son abonnement mensuel, et qui est devenu un jeune démon. Donc, bienvenue. Dans tes rigolos, JTM, bien, et oui, petit chenapan. Ah, elle m'a dit petit chenapan. bienvenue à toi, Rosine, je sais pas, je veux pas dire de conneries, du coup je dis les deux. Bienvenue à toi chez les jeunes démons, et grosse dédicace à toi. Et Darko Saiyan, bienvenue à toi chez les bébés démons aussi, et grosse dédicace à toi aussi. Merci, Kam Lakish pour le don de 10,99€, et Unicorn Hard Boss pour le don de 10,95€. Adam, t'es rigolo, je t'aime bien. Et oui, petit chenapan, donc merci à toi. Tu chantes bien. Je chante bien. Moi, je chante bien, moi. Ah, t'es un connerie un petit peu. Ah, t'es un petit peu là. Parce que. On va dire que. C'est Ramadan, tu vois. Je vais me la mettre sur moi. C'est faut pas faire, tu vois. Mais. Comme je vous le disais, j'ai activé le mode enfant.
Il y a des questions qui sont bizarres. Il y a des questions qui sont bizarres, mais à la fin, le résultat, c'est celui-là. Je sais à qui tu penses, mais je ne crois pas que ce soit pour les enfants. C'est bon, c'est un... Gros, j'ai mon œil, frère, il fait des sauts tout seul. Je crois que je suis fatigué ou j'ai envie de manger là, mais je sais pas. Mais mon œil, il fait des sauts tout seul, frère. Donc, c'est bon signe. Ça va. Il y a des trucs bizarres qui se passent sur le site quand même. Tu vois, il y avait des bugs un petit peu chelous. Mais au niveau de ça, ça va. Attends, je vais voir le chat parce que j'ai demandé. Ouais, tu chantes trop bien. Gros, je suis choqué. Ah bon, je chante bien, moi. Ah, vous deux, arrêtez, vous connaissez, vous devez vous tromper de personne. Hein? Oh, tu chantes bien. Ah, ah. Il y a des gens sur l'écouté là qui... Moi, je chante bien, moi. Moi, je chante bien, moi. Ok, merci. Ouais, bon, il y a des gens à côté de moi qui me disent que je chante bien, donc c'est... Ok, il m'a dit... Lui, là, il m'a dit que je chantais bien, ok. Ok, c'est nickel, ok. Bon, ben, je chante bien, alors. Slenderman dans le chat. Oula, par contre, je sais pas. 500 euros. Non, il n'y a pas eu de don de 500 euros, sinon ça serait écrit, mec. Il n'y a pas de don de 500 euros, mec. Ça serait écrit, mec. Par contre, merci à Waze. Waze ou Wiz, bienvenue à toi chez les membres. Ça fait extrêmement plaisir. Tu es maintenant un ange, donc bienvenue à toi. Et Nabila, là, sous Annie, qui est devenue un ange aussi. Donc bienvenue à toi chez les membres et bienvenue à toi chez les anges. Donc grosse dédicace à toi aussi. Non, le truc de 500 euros de tout à l'heure, c'était des CFA. Ouais. Du coup, je crois que ça fait 5 euros, je crois, ou un truc comme ça. Mais merci à la personne qui l'a fait. Ça s'est pas affiché en haut, je sais pas pourquoi, mais. Bienvenue à toi. Enfin, non, ça fait pas 5 euros. 500 CFA. 500 francs CFA. Ouais, je sais pas. Bref. merci à toi, Sayen Darko. Non, Darko Sayen, bonjour. Je suis un démon. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries, Darko, parce que ça me fait pas d'arrac tout ça. Bref. Est-ce que vous voulez qu'on retente encore une fois sur le site Akinator en mode enfant? Pour voir si, au bout de la deuxième fois, ça commence à lâcher le frein, ça commence à se dire bon, on va lâcher 2-3 nudes. Est-ce que vous voulez ou pas? Bombardez dans le chat, les gens. Parce que ce truc, ce site, je veux le vérifier à 100%, les gars. Je veux qu'une fois qu'on termine avec ce site, il n'y ait plus rien, tu vois? Il n'y a plus rien à découvrir, mec. Au passage, je vais voir, on est à combien de membres sur la chaîne? Parce que si on est à 150, au bout de 150 membres, donc qui est l'objectif actuel. On partira sur une roue de la fortune, en fait, une sorte de roue de la fortune. Et tout simplement, je vais offrir des cadeaux, tout simplement, de ma poche. C'est pas de partenariat ou je sais pas quoi, voilà, non. De ma poche, parce que tu gagnes beaucoup d'argent, mais faut faire profiter la communauté un peu quand même. Donc, on est à 215. On est à 215 membres, les gens. 215 sur ce live. Donc, on est 10 000, je crois, ou un truc comme ça. Vous voulez pas de cadeaux, on va vous faire des cadeaux, alors y a pas de soucis, les gars. Mais en tout cas, vous allez vers chaud pour qu'on retente une deuxième fois, donc c'est nickel. Merci, alors attends, j'ai pas envie de dire de conneries, attends, je m'approche, attends. C'est quoi? Nabila Lansouni, voilà, merci à toi pour tes 5 euros, ça fait extrêmement plaisir. Ok, on est parti du coup, on est parti. Alors attends, la scène c'est quoi, c'est ça? Ok, c'est nickel. On est parti tout de suite alors. On va retenter encore une fois sur le site. Je vais juste me mettre comme ça. Ouais, adblock, on s'en bat les couilles. On va retenter. Attends, je vais partir comme ça. Je vais mettre une autre musique parce que celle qu'on vient de mettre là, ça y est, on l'a mis, ça y est. Celle-là, elle est bien celle-là. Du coup, on est parti tout de suite pour aller sur le site Akinator. Je vais avancer. Voilà. On est reparti pour tenter une deuxième fois sur le site Akinator. Alors c'est parti. Toujours avec le mode enfant actif. C'est parti. Jouer. Là on dirait une musique de Game of Thrones. merci pour le membre qui vient de se sub tout de suite là maintenant. ProGamer 166, non 163, attention merci beaucoup à toi. Tu es maintenant un bébé démon. Merci à toi. Et bienvenue à toi aussi. Ça fait extrêmement plaisir. On est reparti. Sélectionnez le thème. On va partir sur un autre personnage encore une fois. On part sur un personnage. Oui. Habite-t-il en France? Je ne sais pas. Est-il réputé pour être méchant? Non, comme méchant. Non, c'est pas méchant. Non, non. Ça fait plaisir, mais c'est pas méchant. Fait-il partie du studio Beagle? Du tout. Ton personnage est-il réel? Oui.
ton personnage est-il un youtubeur? J'ai pas envie de me mettre dans la sauce, donc je vais dire non. est-il un acteur? Oui. On va mettre oui. On va retenter la même chose. Français, oui. D'origine asiatique, oui. Je ne sais pas. Est-il parti de la série Modern Warfare? Non. Habite-t-il en Lorraine? Je ne sais pas. A-t-il un pseudonyme à consonance japonaise? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Pour ceux qui se demandent, j'ai pensé à une personne qui commence par le mot 4. Voilà. Et du coup, ça fonctionne toujours pas. Ok. Merci à JP Churé, qui est devenu membre et qui est maintenant un bébé démon. Donc bienvenue à toi. Bienvenue aussi à Miss Sun, qui est devenue démon. Et... non, un ange, pardon. Un ange. Angela. Qu'est-ce qui se passe avec Angela? Ah! Pensez à Angela. Est-ce que vous voulez qu'on passe à Angela et qu'on lui fasse deviner Angela? Vous voulez ou pas, les gars? Bombardez de oui dans le chat si on part sur ça. Et on le fait tout de suite. Maintenant. Right now, we're gonna test and see if Akinator can find Angela. Vous avez l'air d'accord là, ouais? Vous avez l'air d'accord. Alors, puisque vous êtes d'accord, on va partir sur Angela. J'ai pas pris de drogue, hein. C'est juste que je mets des lunettes, voilà, et la lumière elle me pète les yeux. Mais on est parti. On va penser à Angela très fort. Et on va demander... non, on va voir s'il connaît Angela. On va faire rejouer. On va repartir ici par contre. Et on va désactiver le mode enfant, donc inactif. Jouer. Voilà, il est inactif. C'est parti, let's go. C'est parti. On va voir si il peut deviner Angela. Personnage. Est-ce que c'est une fille? Oui. A-t-il plus de 18 ans? Je ne sais pas. Est-il effrayant? Je ne sais pas. Non, il fait pas partie de Stargate. Habite-t-il en France? Je ne sais pas. Tu as vu que c'était écrit « Sors d'ici là où il pose des questions ». J'ai toujours pas compris. Mais merci encore une fois pour le don. Alors, il y a eu des dons. Donc, merci à MadouxMRT93 pour ton don de 99 centimes. 0,99 euros, du coup. Merci à Seb75 qui a refait un don de... je crois que c'est 2 euros, je crois. Ouais, parce que c'est affiché en dollars, en fait. Le chant des démons. Le chant des sirènes. T'inquiète pas, j'ai pas oublié le chant des démons. Tes membres, ne t'inquiète pas. Toi aussi, Dark Saiyan, ne t'inquiète pas. J'ai pas oublié. C'est écrit sur une note que vous pouvez pas voir sur le côté. T'inquiète pas. Est-il méchant? Je ne sais pas. Est-il un animal? Les gars, je vous jure, j'ai l'impression que ce truc peut nous entendre. Est-il un animal? Oui. Ton personnage a-t-il connu Jésus? Ouah, Starfalla. A-t-il connu Jésus? Jésus a dit... il a dit... je ne connais pas Angela. Donc, on va passer à autre chose. Non. ton personnage est-il un... non, les gars, je vous jure, ça me fait peur. On dirait qu'il nous entend. Ton personnage est-il un chat? Aïe. Ouais. C'est... les gars, ça fait flipper, par contre. Ça m'a mis direct, ton personnage est-il un chat, mec? Ça a pas cherché à comprendre. Il y a eu des nouveaux membres au passage. Non, un nouveau membre. Donc d'abord, merci à Cam Lakish pour ton don de 27,99€. 28 euros pour un centime. Eh, vas-y. 28 euros, merci beaucoup à toi, ça fait extrêmement plaisir. Et merci à Harib Mohamed qui est devenu membre et qui est devenu un ange. Donc bienvenue à toi chez les anges. Inch'Allah, tu ne vas pas chez Jahannam. Les gars, ça m'a directement posé la question. Ton personnage est-il un chat, mec? Je crois que ce truc peut nous... je sais pas, j'en sais rien. C'est bizarre, frère. C'est pour ça que je me dis que le truc peut m'entendre. Parce que comment est-ce qu'il attends, peut... attends, t'es rigolo, JTM, bien et oui, petit chenapan. D'accord, ben merci. Il y a eu un nouveau membre. Ah non, c'est le membre que j'ai lu, ok. On va partir sur un oui. Ton personnage est-il un tennisman? Bon. Non. Ton personnage porte-t-il le nom d'une application? Ouah, mec.
Mec, non, 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 c'est trop, c'est trop. Delete this website, motherfucker. Mec, c'est trop. Pour ceux qui connaissent Jeff Orji et Mwaz Harley, vous savez de quoi je, ce que je viens de faire, pourquoi j'ai fait delete. Mais bref, il faut supprimer ce truc. Eh, hey, mec. C'est hard, mec. Du coup, oui, il a le nom d'une application. Talking Angela, mec. Gros, hey, c'est flippant de ouf. Ce truc, il fait vraiment peur, mec. Je vous l'ai même pas dit vous dans le chat, les gars. Je vous l'ai même pas dit à vous dans le chat. J'ai juste imaginé, mec. C'est flippant de ouf, ce truc. Aïe, aïe, aïe. Eh, les gars, c'est flippant de ouf. C'est flippant de ouf, ouais, les gars. C'est flippant. What? Il est où le site? What? Attends. Il est où le site là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, mec? Les gars, j'ai plus le site. deux secondes, j'ai plus le site devant moi, je sais pas pourquoi. C'est quoi ce bordel? Non, mec, c'est trop, mec. C'est trop, mec. Je rêve ou sur le truc qui avait écrit sort d'ici. Enfin, sur l'espèce de bulle à côté là. Il y avait écrit sort d'ici. Non. Mec, c'est hyper bizarre ce truc de merde là. Les gens, dans le chat, non. Dites-moi ce que vous. On est bien d'accord qu'il y avait écrit sort d'ici. Bombardez de oui dans le chat si vous êtes d'accord avec moi là. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui deviens fou là en fait. Il y avait bien écrit sort d'ici sur le truc. En même temps, je vais essayer de voir, je vais voir, on est à combien de membres en même temps. Mais les gens, dites-moi dans le chat parce que il y a un truc qui va pas aller là. Voilà, ça tourne pas rond, ça tourne carré là. Il y a un problème, je crois. Vas-y. Ok, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Au passage, on est à 220 membres. On est à 220 membres. Il reste plus que 30 membres pour qu'on arrive au cadeau. Et je veux juste vous montrer ce à quoi correspond le cadeau parce que. Voilà, en fait c'est une roue en fait, tu vois. Et il y a tout autour des choses en fait, tu vois. Bref. This is a surprise, man. Bref, il y avait marqué. Attends. Il y avait marqué sort d'ici et sur toutes les réponses à répondre. Il y a. Attends, merde, ton message il est parti, attends. Et à répondre, il y avait que des 666. Oui, c'est ça. Il y avait que des 666 à répondre. C'est exactement ça, gros. Eh, flippant de ouf ce truc de merde, putain. T'as eu un nouveau membre ou quoi? Non, c'est moi qui ai révoqué. Par contre, il y a eu un don de juste Alexis de... attends, du coup, c'est... Enfin, il y a écrit 71$, donc merci à toi pour les 71$. Et Clément Gaburi qui a fait un don de 99 centimes, je crois, donc merci beaucoup à toi aussi. Demande s'il connaît Heavybot. Je peux pas poser de questions, moi, en fait, c'est lui qui pose les questions, tu vois. Merci à Aldo... 1400. Vous êtes chiant après des pseudos comme ça, voilà, appelle-toi Nabil comme tu t'appelles dans la vraie vie et c'est tout, tu vois. Continue comme ça, je t'adore frérot, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment chaud les gars, vraiment chaud. Vraiment chaud ce bail les gens. T'es où? Voilà que c'est chaud mec, je te jure que c'est chaud mec. Vraiment chaud, on va mettre une petite musique d'ambiance histoire de nous garder dans l'ambiance, dans l'euphorie. Voilà. Ce genre de musique j'aime. J'aime parce que tout d'abord... Ça te met dans l'ambiance et ça te met dans le truc, comme on dit. J'ai envie d'essayer une dernière fois, les gars. J'ai vraiment envie d'essayer une dernière fois pour revoir, tu vois. Pour revoir. Et pour vous laisser une dernière chance encore de pouvoir gagner des cadeaux sur ce live. Alors, est-ce que c'est parti? Est-ce que vous voulez sur le live qu'on continue?
qu'on retente encore une fois avec Akinator pour voir ce qui se passe sur le site. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dans le chat plutôt, et mettez un maximum de pouces bleus. Et toutes les personnes qui regardent la rediffusion, donc la rediff, mettez aussi des pouces bleus et commentez dans les commentaires hashtag Akinator. C'est stylé ou pas? C'est stylé de ouf, bref. On est parti. Il y a un mec qui l'a dit, un jour je deviendrai le plus grand chasseur de fantômes. Comme dans Naruto. Un jour je serai le plus grand des Hokage. Sasuke. Du coup vous voulez que je retente? Alors on va retenter. C'est parti, let's go. On va retenter. Si je fais mon lay avec ma Kachi. Ce qui fait que personne peut me dédier, ouais, ce n'est rien du tout. On est parti. On est parti pour retenter une dernière fois les gens. Aïe aïe aïe, une dernière fois les gens. On est reparti. On est reparti. Gros, je viens juste d'arriver sur la page. Je viens juste d'arriver sur la page, mec. Au passage, merci à Tita Delina qui est devenue un membre, bienvenue à toi. Merci à Marion Demilier qui est devenue un membre, elle aussi qui est devenue un ange, merci à vous deux. Mec, c'est flippant. Je viens d'arriver sur la page, ça le fait déjà, mec. Bref, on va cliquer sur jouer. Deviner un personnage. J'ai envie de faire deviner. C'est quoi ces bugs, mec? Un pentacle, enfin un truc là. C'est le truc rond là. Non. Non. Oui. Non. Non. Le porte-t-on sur soi? Oui, on peut. Est-ce un bijou? Plutôt. Est-ce que ça comporte des chiffres? Je ne sais pas. Cela possède-t-il des mains? Non. Le chat en possède-t-il? Non. Un rapport avec le sport? Non. Ça vibre? Non. Est-ce que c'est un objet magique? Oui. Dans l'univers d'Harry Potter? Non. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est anti-allergissant? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le Japon? Non. Est-ce que ça se met sur le doigt? Non. Est-ce que c'est un rapport avec un YouTuber? Plutôt. Est-ce que ça a été inventé par un Français? Je sais pas. Est-ce que ça se vend généralement par pair? Est-ce que c'est généralement par pair? Non. Allô. Est-ce que ça a un rapport avec la balistique? Non, non, non. Est-ce que c'est piquant? Non. Est-ce que... Attends, est-ce un chiffre ou un nombre? Je sais pas. Est-ce rond? Oui. Une médaille. Le mec, je pense à un pentagone, le truc de Shaitan. Il me sort quoi? Une médaille. Il me sort une médaille. On a déjà fait deviner Momo, les gars. Est-ce que, maintenant, dans le chat, vous avez d'autres trucs qu'on pourrait lui faire deviner? Dites-moi tout ça dans le chat, les gens. Est-ce que vous avez d'autres choses qu'on peut lui faire deviner ou pas? Bombardez dans le chat, les gens. Momo, c'est déjà fait. Angela, c'est déjà fait. Est-ce que vous avez d'autres choses qu'on peut lui faire deviner? Dites-moi tout ça dans le chat. I be trying to call them off for long enough. You can maybe hold me out of love. Maybe I want it for the jokes.
You don't even have to do too much. You can only tell me how to love. Maybe the city's cold and empty. No one's around to judge me. Excusez-moi, je suis parti en live là. Toilettes. Il y a vraiment quelqu'un dans le chat qui m'a dit fais-lui deviner des toilettes. On va faire deviner le diable. Le diable. Le diable. Mais quelle bonne idée, le diable. Mais quelle bonne idée. On va essayer ça, les gars. On va essayer ça. On va essayer ça, en vrai, les gars. Et si ça marche, franchement, je pète un plomb. On va essayer ça. On va essayer ça, les gars. On va essayer le diable. C'est parti. Personnage. Est-ce que c'est une... Oui, c'est masculin. Est-ce que c'est réel? Je sais pas. Réputation d'être méchant. Oui. Cheveux noirs. Je ne sais pas. Connu grâce à Internet. Non. Lunettes 3D. Non, il porte pas de lunettes 3D, Shetan. Ton personnage voit-il des fantômes? Probablement. Ton personnage apparaît-il dans le Nouveau Testament? Oui. Il a trouvé, c'est Lucifer. Il a trouvé. Au passage, il y a eu un nom de 10,99€, putain. Comme la quiche, encore une fois. T'as du flow, mon frère. J'ai du flow. J'ai du flow. Les gens dans le chat, est-ce que c'est vrai que j'ai du flow? Est-ce que c'est vrai que j'ai du flow? Parce que moi, je sais pas, moi, tu vois, parce que c'est moi. Si je dis que j'ai du flow, les gens ils vont me dire, ouais, mais attends, attends, attends. Attends, la musique, vite fait. La musique, ferme ta gueule, vite fait. Si je dis que j'ai du flow, les gens... Oui, mais Adam, t'es égocentrique et t'es narcissique. Parce que tu dis que t'as trop de flow toi-même, alors que tu te dis que toi t'as du flow. Arrête de te la péter, c'est n'importe quoi. Arrête de faire le mec. Les nouveaux commerçants. Comme... Philippe, es-tu best? C'est la tête idéale à faire pour les gens comme ça, je te jure. Bref. Il a deviné les gars, il a deviné, Satan, Lucifer, c'est la même chose, il a deviné, il a deviné, putain de merde, il a deviné. Les gens, ici comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a une roue qui permet à des personnes sur le live de gagner des cadeaux, que ça soit Nintendo Switch ou autre, vous pouvez gagner des cadeaux, c'est exceptionnel n'est-ce pas? Mais malheureusement, l'objectif n'ayant pas été atteint, ce ne sera pas possible, je pense. Sauf si une folie vous prendait. Vous prenez tout de suite. J'ai niqué le truc, c'est... Il dit vous prendez. Vous prenez tout de suite au trip. Et que vous vous disiez... Tiens, j'ai envie d'avoir des cadeaux. Mais les gens, en tout cas, il a deviné. L'objectif est de 250 membres. On est à 200... 20 membres. On est très proches, les gens. On est très proches. Mais malheureusement, ça fait 1h14 que je live. Et je pense que ça sera probablement pour une autre fois. Alors les gens, je voulais vous remercier pour ce live de fou. C'est un live de taré. Un live tassard, quel plaisir, tu vois. Et merci pour ce live de fou. C'est un live de taré. Je vais remettre la musique de The Weeknd. Les gens, je veux un maximum de cœur dans le chat. Un maximum de cœur et de pouces bleus sur le chat. Maximum de cœur dans le chat, les gens. Merci à tous pour ce live. C'était une dinguerie comme à chaque fois que je fais des lives avec vous. Vous êtes des tarés. C'est pour ça que je vous kiffe. Alors les gens, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffe la vie.